Et on parle santé dans ce journal d'abord avec l'atelier qui réunissait les laborantins et biologistes du Gabon qui a pris fin ce jour. Ces analystes ont planché sur l'harmonisation des diagnostics d'examen et du plan d'action élaboré l'an dernier. Les détails avec Dorian Okourou et Christ-Rodolphe Limbonda. Le Gabon compte à ce jour près de 122 laboratoires. En 2022, une enquête lancée par les laborantins et biologistes sur le plan d'action visant l'évaluation de base sur la charge virale de la cascade et la coordination des diagnostics présente encore certaines insuffisances. Le plan d'action qui a été mis en place l'an dernier lors de l'évaluation de base, malheureusement, n'a pas pu atteindre ses objectifs par manque de, en gros, hein, en majorité, par manque de financement. On ressort des grands axes que tout ce qui est document normatif tarde à être mis en œuvre et l'implication au niveau du lead communautaire, les activités qui mettent frein, l'augmentation, l'examen essentiel qui est la charge virale aussi soit fait. Afin de dresser un meilleur rendu et une bonne couverture nationale, ces analystes envisagent une autre stratégie. À partir des défis qui ont été identifiés lors de cette auto-évaluation, nous allons donc élaborer maintenant le plan d'action en recherchant toutes les causes profondes qui sont liées aux défis que nous avons identifiés. Au sortir de cet atelier, un bilan sera dressé puis remis aux autorités compétentes dans le but de trouver des solutions à ce problème qui tend à freiner le travail des